Monsieur Stahl voit une contradiction entre le fait que les dirigeants suédois sont élus et les besoins de sa société. Comment pensez-vous résoudre cette contradiction en modifiant le mode de désignation des membres du gouvernement en Suède ou en nationalisant les entreprises dont les ambitions politiques sont exorbitantes? Monsieur Stahl est un industriel suédois très réussi, très compétent, un administrateur superbe. Il fait les séparateurs de lait, hein, et c'est à l'Alfa Laval, n'est-ce pas? Et peut-être c'est pour ça qu'il a l'idée qu'on peut séparer la politique et l'économie. Mais...